parlez-vous ce franc? Ok, c'est Gradur, Gradur, Chegué. Pour parlez-vous ce franc? On est ensemble, force à vous. Je viens du 5-9, donc en provenance de Roubaix, M. Donc c'est une ville qui est à côté de Roubaix. Et c'est du Nord-Pas-Calais en fait. C'est juste à côté de Lille. Ça ouais, j'étais un mec assez cool, hein. Un peu casse-couille aussi, un peu casse-couille, tu vois. J'aimais bien le sport, j'aimais bien la muscu, là, et Grady, et Gradur. Parce que Grady, c'est mon prénom, en fait. Bah, j'avais fini l'école, j'avais fini mon diplôme, tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer l'armée. Je me suis dit, juste pour voir si je suis capable de tenir, en fait. Quand j'ai commencé à rapper, j'étais encore à l'armée. C'est-à-dire que soit j'étais à l'armée, soit j'étais au quartier. Des fois, j'étais au quartier, j'étais avec mes potes, et mes potes, ils rappent. Donc des fois, ils allaient au studio, j'allais au studio avec eux. Et un jour, je me suis posé et j'écoutais une instru. J'écoutais une instru et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'écrire un son comme ça. Et c'est parti de là, en fait. Sur du gras, tu refais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'était un peu dans le cadre. J'ai envoyé un freestyle comme ça pour m'amuser. J'en ai envoyé un deuxième et ça a bien pris. J'en ai envoyé un par semaine, histoire d'habituer les gens à me voir souvent, à découvrir ma musique, tu vois. Après, je me suis pas dit que ça allait prendre comme ça, tu vois, j'ai fait ça pour m'amuser. Et malgré moi, ça a pris, tu vois, donc tant mieux. Ma musique, c'est éphémère. Tu vois, c'est une science inexacte, ça veut dire qu'un jour, ça marche. Maintenant, ça marche pas, tu vois. Là, ça a marché, j'ai pas... Tu vois, c'est-à-dire, ça fait ça. Ça peut vite faire ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas se prendre la tête, faut rester simple. Tu vois, faut bien avoir les pieds sur terre, faut avoir un bon entourage, c'est important. Tu vois, qui te remet toujours sur terre, en cas où si tu prends la grosse tête, même si je le fais pas, tu vois, de moi-même, et c'est important. Mais tant que tu restes comme ça, tu sais que t'es que de passage dans la musique comme dans la vie. Tant que tu restes comme ça, c'est que comme ça que tu vas avancer. Et tant que tu prends du plaisir. Tant que je prends du plaisir à envoyer des sons, et que ça me fait plaisir, et que ça me fait kiffer moi, et les gens qui sont à côté de moi, c'est le plus important, tu vois. Et tant que je resterai comme ça, c'est ça qui fera que j'avancerai. Sur la roue, tu piles l'enfer en détail. T'as 35 piges, tu rappes pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. L'album, il va arriver lourd. Il y aura des gros feats, il y aura des gros sons. Il y aura des sons un peu plus profonds où je parle de moi, où, tu vois, où je me confie, où je parle un peu de. Tu vois, ce qui m'est arrivé, ce qui se passe, tu vois, le buzz, comment ça dépasse les gens, comment. Tu vois. Après, il y aura toujours des sons parce que les gens, ils aiment bien me voir dans des sons, tu vois. Il y aura un peu de tout, il y aura un peu de tout. Donc soutenez, si vous voulez soutenir, si vous ne soutenez pas, ça ne change rien. On continuera d'envoyer du son, tu vois, parce que c'est la musique qui parle, on kiffe ça. Et voilà, c'est tout, Gradur, en léger, chez les squads, c'est tout. Dire c'est le chez les squads.